Ah, on savait très bien que quand on perd un match, on n'est pas dans un très bon état. On est lundi, hier, ils ont joué, on leur a parlé déjà, et puis on va essayer de les préparer mentalement et psychologiquement, progressivement, pour le prochain match. Comme je leur ai dit, on n'a plus rien à perdre. Il faut y aller, il faut y aller jusqu'au bout. Et puis, on est dans l'obligation, même si on gagne, d'attendre le score. On dépend du score du deuxième match. Notre sort n'est plus entre nos mains. Je pense que c'est le plus important des matchs et le plus difficile, dans la mesure où le Rwanda a déjà gagné, il est déjà qualifié, il a déjà gagné. Il joue sur sa pelouse, il joue devant son public, ils sont euphoriques, donc ça ne va pas être de la tarte, mais nous avons une mince chance encore pour se qualifier. On va la jouer à 100%.